Ok, normalement le son sur YouTube devrait fonctionner maintenant. Si ça c'est bon, alors j'y vais. Je suis là. Ah non, attends, c'est dans l'autre sens. Voilà, j'ai éteint le son de Teams. Je cause encore. On devrait me voir un petit peu. Donc, je rallume le micro de Teams. Non, pas besoin en fait. Dites-moi si c'est Sur bon. YouTube, c'est bon, oui. Ok. Ça, c'est bon. Nickel, ben, éteignez peut-être vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et alors, c'est parti. Juste partager un écran plus intéressant que celui-là. Tu dois couper sur Teams. C'est fait, j'ai déjà coupé sur Teams. D'après moi, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui n'ont pas coupé leur micro, là. Non, ça va. Donc, tout le monde coupe bien son micro, ça va bien se passer. Bien, alors je commence par les premières questions. Je vous avais dit, hein, l'idéal c'était de clôturer la liste qui avait été donnée. Peut-être commencer aussi par ce que j'ai dit hier, parce que normalement vous êtes un autre groupe. Avec les masques, c'est un peu difficile pour moi de savoir qui était là ou pas, mais je suppose que vous êtes d'un autre groupe. Si vous êtes à plus d'un mètre de 50, vous pouvez retirer le masque ici, hein. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est comme vous voulez, mais voilà. Donc je vais partager là où on était arrivé hier. Peut-être que comme je vous ai ici en direct, si vous voulez me dire par rapport à ce que vous avez suivi normalement à distance hier. Oui, ok, ça va. Est-ce qu'il y a des remarques particulières à faire par rapport à ce que vous avez eu à distance? Non? Il y a relativement peu d'interactions, c'est-à-dire il y a eu peu de questions sur la conversation. Il ne faut pas hésiter. En tout cas, ici, dans un premier temps, vous voyez, il y a les collègues qui interviennent pour essayer de rendre ça interactif. Mais bon, ici, vous allez avoir l'occasion de poser vos questions. Alors, je vais ouvrir le document que vous avez déjà reçu. Voilà. Est-ce que tout le monde a le document de propédeutique aussi? Oui, vous avez tous reçu, hein. Alors, cours prépa, voilà. Je vais ouvrir celui-là. Et on va aller vers la page 20 de quelque chose. Ça, c'est encore de l'analyse, voilà l'algèbre. Voilà, donc ça, c'est ce qui a été fait hier, ABCD. On a eu ça hier. Okay. L'idée maintenant, c'est d'abord de voir si vous avez des questions sur ABCD. Bon, ça a déjà été expliqué hier. Et éventuellement sur les autres. Donc EF jusqu'au bout de la liste, jusqu'au K, je pense. Est-ce qu'il y a une question que vous avez écrite ou que vous voudriez poser? Non, pas de questions. Alors, Anne-Marie, tu dois couper ton micro, sinon il va y avoir des interférences. Merci. Voilà. Bon, ben, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ceux qui nous écoutent à distance? Donc ça, je laisse mes collègues regarder et me prendre le micro alors pour me le dire clairement que je puisse entendre. Voilà, sans nouvelles de ce côté-là, je propose de continuer. Jusque J d'ailleurs, j'ai dit K, non, voilà K. C'est sûr, là, vous n'osez pas ou vous n'avez pas de questions? Oui, ah, ça ouais, attend. juste le rush à la fin, comment il démarre? Le E. Ok, on va remonter un petit peu. Voilà pour le E. Alors, pour le E, comme on voit ici, il y a en tout cas une mise au même dénominateur au-dessus et en dessous, hein. Donc, on peut toujours se ramener à une seule barre de fraction. Ici, on a quand même plusieurs.
Maintenant, c'est une simplification, soit de se ramener avec une expression qui a une seule barre de fraction. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres simplifications. Alors, on peut regarder en tout cas une première étape. Au niveau du dessus, donc du numérateur, si on met tout ça sur la même barre de fraction, eh bien vous allez avoir 3 fois. Alors, je vais partager. Alors, on est parti sur le E. Donc, nous avons 3 fois 3W plus 1. Et puis vous allez avoir une grande barre de fraction ici, et puis de nouveau ceci qui va apparaître. Alors c'est parti. Moins 6 fois W. Le tout sur 3 fois W plus 1 fois W. Et alors en dessous, si on met au même dénominateur, eh bien, vous allez avoir 5 fois 2W plus 1. Et 8 fois W plus 8 fois W. Avec ici, eh bien, 2 fois W plus 1 fois W. Ça va pour tout le monde, ceci? Vous me dites, hein, je peux faire une erreur, mais... Ça a l'air d'aller. Bon, alors à partir de là, on a une division, vous connaissez la règle, AB divisé par CD, ben c'est AB fois DC. Hein, donc on multiplie par l'inverse. Donc si vous faites ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des simplifications. Maintenant, vous pouvez les voir aussi tout de suite, ces simplifications, à savoir que le W, il se retrouve ici et ici. Donc il divise à la fois le numérateur et le dénominateur. Donc plutôt que de diviser le numérateur et puis le dénominateur, je pourrais déjà simplifier ici. Si vous ne le voyez pas tout de suite, parce que vous n'êtes pas sûr s'il y a quand même plusieurs étages, eh bien, vous pouvez passer par cette étape intermédiaire où vous allez recopier le numérateur ici. Donc vous allez avoir, on va faire le produit, hein, 3 fois 3W, vous avez 9W plus 3 moins 6 fois W. Le tout divisé par 3W. Alors, on va laisser ce fond factorisé justement parce que ce sera plus simple de voir la simplification dont je parlais. Et puis ici, je multiplie par l'inverse du dénominateur. Donc, vous allez avoir ceci. Et enfin, ici, on va distribuer. Ça fait 10W plus 5 plus 8W. On remarque ce que j'avais déjà indiqué, c'est-à-dire que ici il y a un facteur commun au-dessus et en dessous. Ça peut partir. Et pour le reste, oui, pas de remarque. Donc pour le reste, eh bien, on peut encore un petit peu simplifier puisque vous avez finalement 3W plus 3 fois ce qu'il y a ici, donc à savoir 2W plus 1. Le tout divisé par 3W plus 1 et ensuite vous avez 28W plus 5, si je ne me suis pas trompé. Est-ce qu'il y a des simplifications? Ben, je n'en vois pas. J'avais dit hier que pour avoir des simplifications, finalement, il fallait qu'il y ait un facteur commun au-dessus et en dessous. On l'a vu ici avec W. Et j'avais aussi dit, ça revient à avoir une racine commune, une racine pour un numérateur qui intervient aussi au dénominateur. Oui? Oui, 18, merci. Tout à fait. Alors, si je regarde au niveau des racines, en fait, les racines du numérateur, ben, quand W vaut moins 1, vous allez annuler le numérateur. Quand W vaut moins 1,5 également. Donc, juste ici, quelques remarques sur ce qui a été fait. Vous pouvez remarquer qu'il y a, enfin, je parle de racines comme si c'était une fonction, mais en tout cas, on va dire que l'expression s'annule en W qui est égal à moins 1
et lorsque W est égal à moins 1/2. Voilà. Et autre chose, condition d'existence, qui revient cette fois-ci aux racines du dénominateur, donc, enfin au zéro du dénominateur, ce qui donne zéro en réalité, c'est quand W est égal à moins 1/3, donc W doit être donc différent de moins 1/3, sinon on divise par 0, et moins 5/18. Si jamais vous aviez eu une valeur commune avec ce qui annule l'expression, donc les zéros du numérateur et les zéros du dénominateur, ça voudrait dire qu'il y a une simplification possible entre facteurs. Ça va? Ça, ceci? Je vais te reprendre les prénoms. Tu t'appelles comment? Claudia. Pardon? Claudia. Claudia. Ok, avec le masque, c'est toujours un peu plus compliqué. Claudia. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette liste? Je peux encore éventuellement répondre à une question, s'il reste un doute, une étape qui a été compliquée. Une question plus théorique hein, aussi, en le faisant, vous vous êtes dit, tiens, oui, mais ça, est-ce que je peux le faire dans tous les cas? Non? Ok, eh bien, je vous propose alors d'aller vers les trois suivants. Je vais les partager comme ceci, voilà. Peut-être même en grand. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a ici devant nous. Ce qu'il nous faut, c'est rendre rationnel le dénominateur des fractions suivantes. Alors, pourquoi on s'intéresse à rendre rationnel le dénominateur? C'est, disons, une certaine convention. On veut arriver à une écriture, plus régulière, donc où on a finalement, c'est comme racine de 1/2. Petit exemple simple. Racine de 1 sur 2. Bon, dans ce cas-ci, évidemment, on peut distribuer la racine. C'était ce que M. Coulot avait dit. Avec racine de A sur B, c'est égal à racine de A sur racine de B. Pour peu que A est plus grand ou égal à 0, et B doit être strictement plus grand que 0. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Donc ici, on peut le faire. Évidemment, racine de 1, vous allez me dire que c'est 1, et vous avez tout à fait raison. Et donc, ça, racine de 1/2, c'est un nombre qui va apparaître très souvent, puisque racine de 1/2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le cosinus de Picard et le sinus de Picard. Sinus de 45 degrés, cosinus de 45 degrés. Donc, quand je mets ça, c'est quelque chose que vous allez rencontrer très souvent. Maintenant, une autre écriture que vous connaissez probablement, vous pouvez me la donner. Oui, mon tableau est partagé, normalement. OK. En fait, ils ne m'entendent pas. Ah, ben si, ils m'entendent sur YouTube. Donc, ici, vous avez dit? Exact, racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Oui. Ils ont un décalage, ça va arriver. Racine de 2 sur 2. Vous voyez que ici, on va préférer cette écriture-ci, simplement parce que le 2 qui est là, on a réussi à retirer la racine. D'accord? Alors maintenant, moi je vais vous dire tout de suite, on ne va pas vous pénaliser si vous écrivez ça. Donc ici, c'est. Ici, c'est juste une manière de réécrire les choses. Donc, autrement dit, s'il y a une évaluation, vous écrivez ça, au lieu de ça, vous n'allez pas être pénalisé. Voilà. Il y a parfois des questions de stabilité numérique pour lesquelles on évite d'avoir des racines au dénominateur, mais ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, ici, le but du jeu, prenez-le vraiment comme une stratégie de réécriture, comment arriver à ne plus avoir de racines carrées au dénominateur. C'est notamment parfois utile de manipuler ce genre de choses dans le calcul de limite, ou lorsqu'on a réussi à le retirer, bien c'est plus évident. Alors, je vais faire le premier avec vous, puis je vais vous laisser faire les deux autres. Alors, pour le premier, on a 1 sur une somme de racines. Est-ce que quelqu'un a une idée pour pouvoir
retirer ses racines tout en ne changeant pas l'expression. Oui. Ok. Donc, ce qui m'est proposé ici, c'est finalement de reprendre l'expression, de multiplier au-dessus et en dessous par le binôme conjugué. Et l'idée, c'est que si on a le binôme conjugué, on va avoir la différence de 2 carrés. Avec le, donc, a moins b fois a plus b égale a carré moins b carré. Si on arrive à élever chacun des termes au carré, ben, la racine carrée, finalement, va pouvoir être retirée. C'est toujours un petit peu la même idée, c'est que pour retirer une racine carrée, il faut élever au carré. Alors si vous faites ça, ça va effectivement bien fonctionner, puisque au numérateur, vous allez avoir la différence comme ceci, et en dessous, vous allez avoir racine de x au carré moins racine de y au carré. Ça va, en référence à a plus b fois a moins b, a carré moins b carré. Alors une fois que vous avez un nombre dont on prend la racine carrée et puis qu'on élève au carré, on revient sur le même nombre. C'est-à-dire que ici, vous pouvez maintenant écrire qu'on a la différence des racines carrées, et ici x moins y. Alors comme je l'ai fait hier, il faut faire attention aux conditions pour que l'expression existe dans les réels, et à ce niveau-là, voir s'il n'y a pas eu des changements. Alors, quelles sont les conditions d'existence au départ pour l'expression qu'on avait? Bon, pour quelle valeur de x et y, on a bien l'expression qui est valable. Exactement. Première chose, ici, au niveau des conditions d'existence pour cette expression, vous devez avoir que x et y sont plus grands ou égaux à 0. Pour la simple et bonne raison qu'on prend la racine carrée. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc on est ici, du moins dans les réels, hein, mais on travaille bien sûr dans les réels. Autre chose. Oui. La racine de x plus racine de y doit être supérieure à 0. Exact. Il faut que la racine de x plus la racine de y soit différente de 0. Est-ce qu'on ne peut pas traduire cette condition d'une manière différente? Si x est différent de y, c'est une condition trop forte. Parce que tu peux avoir x égale y et ça fonctionne quand même. Par exemple, x égale y égale 1, bah, ça va quand même donner quelque chose qui fonctionne. X plus y strictement supérieur à 0. Alors, si tu mets x plus y strictement supérieur à 0 avec cette condition-ci, déjà, non mais c'est correct, donc ça, ça va fonctionner, mais... Il y en a une peut-être qui est encore un peu plus évidente lorsqu'on la formule. X différent de moins y. X différent de moins y, mais ça de toute façon, comme ils sont tous les deux positifs, tu ne vas pas avoir l'opposé de l'autre. X plus grand que y. Pas nécessairement. Tu peux avoir un x plus petit que y et l'expression est valable. Et en fait, il y a un cas particulier qui est lié au fait que racine de x plus racine de y est différente de 0. Donc ça, à dire que c'est différent de 0, c'est dire autre chose. Donc il y a un synonyme mathématique. Quel est le cas particulier que l'on n'a pas lorsqu'on exige que x et y sont plus grands ou égaux à 0? Quand ils sont tous les deux nuls. Donc ce qu'il faut éviter comme cas de figure, il faut éviter que x et y s'annulent en même temps, soit égal à 0 en même temps. Okay. Alors ça, il y a plusieurs manières de l'écrire. Parce qu'ils peuvent être nuls, mais ils ne peuvent pas être nuls simultanément. Or, ce que vous pouvez écrire ici, par exemple, c'est il ne faut pas avoir que x soit égal à y. Non, attendez, j'ai écrit ça différemment. Souvent, ce qu'on retrouve, c'est ceci. Ceci est différent de 0. Ça, c'est une manière de l'écrire assez classique. On veut que le carré, la somme des carrés, soit différente de 0. Bon, c'est très proche de racine de x plus racine de y différente de 0, mais ceci est plus standard. La seule manière d'avoir 0 pour que la somme des carrés donne 0, ben, c'est qu'ils sont tous les deux nuls en même temps. Okay. Sinon, on pouvait toujours écrire en français. Hein. Donc, dans les conditions d'existence, x et y ne peuvent pas être nuls en même temps, simultanément. Ça, c'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on a comme condition d'existence maintenant pour ceci?
Elles ont changé. Pardon ? X différent de Y. X différent de Y. Ok, je vais l'écrire en dessous. Quoi d'autre ? Oui. De nouveau, hein, parce qu'il y a des racines carrées qui interviennent. Donc vous devez encore avoir que X et Y sont tous deux plus grands ou égaux à 0. Qu'est-ce qui a changé ? En fait, vous avez en commun ceci. Ça, ça n'a pas changé. Est-ce qu'on a toujours cette contrainte-là ? Est-ce qu'on a toujours la contrainte que x carré plus y carré doit être différent de 0 ? Autrement dit, est-ce qu'on a toujours la contrainte d'éviter d'avoir la nullité de x et y de manière simultanée ? Oui, parce qu'on a x différent de y. Donc là-dedans se cache notamment x et y doivent être différents de 0. Okay. En fait, ceci est plus contraignant que x carré plus y carré différent de 0. Okay. On a changé ici l'expression, on arrive à une nouvelle expression, il faut toujours être attentif à ces conditions qui peuvent changer. En fait, on a rajouté une contrainte. Est-ce que quelqu'un peut me dire d'où vient le fait qu'on a rajouté une contrainte ici ? À quel moment on a rajouté cette contrainte ? Oui ? Oui ? Tout à fait. Lorsqu'on a multiplié ici, au dénominateur, par ceci. C'est ceci qui a fait qu'on a rajouté la contrainte. On a rajouté au dénominateur racine de x moins racine de y, et en faisant ça, eh bien, il fallait absolument que x et y ne soient pas de même valeur positive. Pas positive forcément parce qu'on prend la racine carrée, mais pas de même valeur positive. Ok. Bien, voilà, donc je vais vous laisser maintenant un petit temps pour essayer d'aborder les deux suivants. Donc les deux suivants que voici, le B et le C. Vérifier, ce n'est pas forcément le binôme conjugué qui doit être utilisé comme j'ai fait ici. Il y a peut-être une technique ou l'autre, je vous laisse vous rappeler à vos bons souvenirs. Et puis on verra ensemble. S'il y a des questions... Pour ce qui a été dit, bien sûr, elles peuvent être posées.
pour si jamais il y en a qui sont un petit peu à l'avance, ils peuvent commencer le 3. Hein. C'est ici. Je laisse encore une petite minute avant de voir avec vous pour le 2B et le 2C. Voilà, je vais reprendre un petit peu la main ici et en profiter pour, si ça n'a pas déjà été fait, peut-être par mon collègue, mais je ne pense pas, GeoGebra, on vous a dit déjà un petit mot là-dessus. Enfin, vous connaissez peut-être du secondaire, ça, d'accord. En fait, au cours, on l'utilise assez bien pour illustrer et on trouve ça intéressant aussi que vous le manipuliez parce que tout l'aspect dynamique permet de comprendre pas mal de choses. Okay, puis c'est assez visuel. Alors, ce qu'on utilise parfois moins dans le secondaire, c'est justement dans GeoGebra, qui, je rappelle brièvement, est un logiciel qui est gratuit. On trouve sur Internet facilement. Hein, donc, si vous tapez, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, GeoGebra, vous allez tomber dessus. Voilà. Avec GeoGebra comme ceci, vous allez certainement tomber. Soit vous pouvez utiliser en ligne, soit le télécharger. Et vous l'avez sur votre PC, il fonctionne sur tablette et sur smartphone également. Tout est expliqué sur le site, mais je ne vais pas aller dans le détail de comment l'obtenir. Juste vous montrer déjà une fonctionnalité. Donc, il y a une fenêtre graphique pour afficher les fonctions ou tout ce qui est construction géométrique. Il y a un tableur et notamment, il y a aussi ce qu'il y a ici, à savoir une fenêtre de calcul formel. Donc, moi, dans affichage, ici, j'ai uniquement le calcul formel. Et à partir de là, il y a des outils, justement, qui correspondent à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On a une expression, on aimerait bien l'exprimer autrement. Et donc, deux commandes qui sont assez bien utilisées, c'est développer et simplifier pour parvenir à une expression qui est éventuellement plus lisible, ou en tout cas mieux utilisable selon le contexte. Donc, vous voyez ici, on a notamment la solution. Maintenant, vous voyez, ce n'est pas parfait. Il ne va pas dans le détail des conditions d'existence comme nous, on le fait. Enfin, ça peut être aussi un outil de vérification lorsque vous êtes en train de faire un exercice qui fonctionne assez bien. Alors, il y a d'autres logiciels, on est bien d'accord. Mais j'en parle déjà maintenant parce que c'est le logiciel partenaire du cours avec lequel on va travailler. Quoi. Ça va? Alors, si je reviens à nos exercices pour le B, qu'est-ce que vous avez fait comme étape? Je vous écoute.
Quelle est la manœuvre, première manœuvre? Oui. Une mise en évidence pour le B, d'accord. Quelle mise en évidence tu as pu faire? Ben, j'ai d'abord commencé par racine de x plus h, c'est ici. Oui. Donc, j'ai fait racine de x plus h moins 1, j'ai laissé un filet dans le tout. D'accord. Et j'ai fait la racine de x. D'accord. Je vais le faire comme ça tout le monde visualise. Enfin, donne-moi un peu ton prénom. Si je... Arnaud? Non. Ok, je fais petit à petit. Hein. Claudia Arnaud, ça j'arrive à retenir. Les autres, ça viendra. Alors, tu me proposes, si j'ai bien compris le principe, de mettre x plus h en évidence. Et du coup, ici, tu dois diviser racine de x par racine de x plus h. Et donc ici, ça donnerait moins 1, le tout sur h fois racine de x fois racine de x plus h. Est-ce que j'ai bien compris, Arnaud, ce que tu proposes? Ok. Alors, si on fait ça, je pense que l'idée que tu as, c'est de dire, ah, là, j'ai réussi à mettre en évidence un facteur commun, je peux le retirer. Mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'on déplace le problème. C'est-à-dire que ce que tu as réussi à enlever d'un côté, il est revenu de l'autre côté, puisqu'on a ici racine de x plus h qui apparaît au dénominateur du numérateur. Donc, on déplace ce problème. Ok ? Tu vois ce que je veux dire avec ce qu'il y a ici? On ne simplifie pas vraiment. Est-ce qu'il y a une autre proposition? L'objectif, c'est avant tout de retirer les racines carrées qu'il y a au dénominateur. Hein. Le binôme conjugué ici... Bon, on peut l'appliquer au numérateur, mais ce n'est pas ça l'objectif. Donc, on pourrait retirer les racines carrées au numérateur avec le binôme conjugué. Nous, le focus, c'est sur le dénominateur. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai tout élevé au carré. Je ne sais pas si on peut faire ça. Ok, tu as tout élevé au carré. Mais ceci, entre parenthèses, parce que c'est pas, ça ne va pas vraiment vers... la simplification. Enfin, tu me diras, oui, on a réussi, je reprends juste ce que Arnaud m'avait donné, on a enlevé une racine carrée, mais elle réapparaît ici quand même au dénominateur. Donc, si on élève tout au carré, vous allez avoir racine de x moins racine de x plus h sur h fois racine de x fois racine de x plus h, et donc tu mets le tout au carré. Ok? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va effectivement enlever les racines carrées. Voilà, sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Il y a juste un autre problème. C'est pas égal. On a un nombre, enfin un nombre issu d'une expression, tu élèves tout au carré, à part dans le cas très particulier où tu as 0 ou 1, le carré de 0 donne 0 et le carré de 1 donne 1, pour toutes les autres possibilités, tu as un nombre différent. D'accord? Donc, là, tu t'es concentré sur un objectif, mais on a oublié l'autre. Donc, attention ici, on n'a pas l'égalité. Ici, on perd l'égalité. Dans quel cas ça peut quand même se faire, ceci? On met au carré, justement, pour que on puisse simplifier les racines carrées, comme on veut le faire ici. On le fait, c'est sans doute pour ça que... Comment tu t'appelles? Noémie. Ok, c'est sans doute pour ça que Noémie y a pensé. On met tout au carré après. On met tout au carré? Quand il y a une égalité, voilà. Quand on a une équation, quelque chose égale quelque chose, eh bien, si ce quelque chose égale quelque chose, ce qu'on peut dire, c'est que le carré égale le carré. Hein, l'inverse n'est pas vrai, hein, c'est seulement dans un sens. Voilà. Si 3 égale 3, ben 9 égale 9. Donc on peut mettre au carré des deux côtés. Okay. Il faut tout de même faire attention à des conditions d'existence, puisque en élevant au carré, vous pouvez éventuellement enlever justement des contraintes. Bref, ici on perd l'égalité. Avant, ce qu'on avait, c'est que finalement... on n'avance pas, alors...
Troisième possibilité, enfin troisième proposition. Oui. Ok, donc ce qui revient à mettre au carré le dénominateur, parce qu'on multiplie par ce qu'il y a déjà, mais au numérateur on met la même chose. On est bien d'accord. Ok, ton prénom ? Florian. Florian. Donc ici, troisième proposition, et c'est la bonne, c'est que vous allez recopier votre expression qui est ici. Au dénominateur h racine de x, racine de x plus h, et ça c'est courant, on fait fois 1. C'est ça que je vais faire en réalité. On va faire fois 1. Alors fois 1, comment on peut réaliser avec notre objectif? Eh bien, c'est de recopier au-dessus et en dessous ce racine de x et ce racine de x plus h. Et si vous faites ça, on peut clôturer. Déjà, au dénominateur, vous allez avoir h fois x plus h. Et au-dessus, eh bien, soit vous mettez la forme factorisée, soit vous distribuez. Si on distribue racine de x avec racine de x, ça va devenir x fois racine de x plus h. Et si on distribue ici, vous allez avoir x plus... Enfin, on va faire ça comme ça. X plus h fois racine de x. Donc ça fois ça. Voilà. Donc ça, c'est la forme plutôt distribuée du numérateur. On aurait pu l'écrire avec la forme factorisée au numérateur. Peu importe. L'objectif est atteint ici. Okay. Est-ce qu'il y a des différences dans les conditions d'existence ? Je ne vais pas tous les écrire ici, je vais juste oralement répondre à la question, est-ce qu'il y a des différences, finalement, de conditions d'existence, quand je considère, pardon, cette expression-ci et celle-là. Alors, voilà, argument à l'appui. Donc, comme on a retiré les racines, c'est ça que tu m'indiques, mais elles se retrouvent encore au-dessus. Donc, racine de x et racine de x plus h implique que x plus grand égal à 0, x plus h plus grand égal à 0. Et donc, là, on a toujours ces conditions-là, parce que tu as toujours une racine de x plus h et une racine de x. En tout cas, ces conditions-là. Après, il y en a peut-être d'autres. Hein. Ton prénom ? Arnold. Arnold. Okay. Arnaud aussi. Voilà. Alors, h devait être différent de 0, mais c'est toujours vrai. X doit être différent de 0, c'est toujours vrai. X plus h doit être différent de 0, c'est encore vrai. Okay, donc, par rapport aux divisions par 0, on a les mêmes contraintes. On doit... Oui, ça, x plus h différent de 0. Donc, ici, je ne vois pas de différence au niveau des conditions d'existence. On a... On ne va pas modifier. On pourrait, si on se regarde l'exercice précédent, se dire « Ah oui, mais on a multiplié par ceci, on a donc éventuellement ajouté des contraintes, puisque artificiellement, on a au dénominateur un nouveau facteur. » Mais en fait, le facteur qui a été rajouté ici est le même que précédemment. Donc finalement, les contraintes qu'il y a ici sont déjà présentes dans ce qu'il y avait ici, donc on n'ajoute pas de nouvelles contraintes. Ça va ? Alors, pour le C, qu'est-ce que vous proposez d'appliquer ? Alors, tu dis que le numérateur ou le dénominateur ? Le numérateur. Tu peux dire ça, effectivement. Donc, ça te permet de faire quoi, si tu observes une différence de 2 carrés ? Si on observe, on a 9x et en dessous, on a 3 racines x. Du coup, si on arrive à n au carré, peut-être que plus tard, on arrivera à simplifier. Ok.
Donc, en tout cas, toi, tu as un réflexe. Donc, ça, c'est un bon réflexe à avoir. C'est que directement, on voit une différence de 2 carrés. Donc, on peut factoriser. 81 fois x au carré, c'est 9x le tout au carré. Et 16 fois y au carré, c'est 4y le tout au carré. Donc, ce qui est possible, c'est d'écrire 9x moins 4y, 9x plus 4y, et ici recopier le dénominateur. Comment tu t'appelles ? Pardon ? Lucas. Lucas. Alors, Lucas, est-ce que tu avais encore une idée après ça ? J'aurais vu plus tard, mais je ne sais pas comment on arrive à là, mais pareil, si on arrive à élever le dénominateur au carré, on va savoir faire des simplifications avec les numérateurs. Tu veux élever le numérateur au carré ? Non, le dénominateur. Ah oui ? Trouver quelque chose pour élever le dénominateur, pour ça, peut-être faire des simplifications plus tard. Ok. Parce que si on arrive à mettre au carré, par exemple, ça fait 9x, du coup, peut-être qu'on va simplifier plus tard. Oui. Ok. D'autres ont pensé à ça ? Oui ? Donc Arnaud, Arnaud 2. Donc si je comprends bien ici, on voudrait élever ceci au carré. Enfin, il faudrait avoir en fait 9x moins 4y. Est-ce que c'est possible ça ? Comment ? Binôme conjugué. Donc ce qu'on propose ici, en fait, c'est d'appliquer la multiplication par le binôme conjugué en dessous et bien sûr au-dessus de cette manière-là. Si on fait ça, ce qui va se passer, c'est que en dessous, on va arriver à ce qu'on voulait, donc du 9x moins 4y. Au-dessus, on a un facteur qu'on va pouvoir simplifier qui est ici. Et puis, il reste deux facteurs qui sont 9x plus 4y et 3 fois racine de x plus 2 fois racine de y. Simplification donc de ceci avec ceci. Ok. On va juste voir après si c'est bien des expressions tout à fait équivalentes, mais ça fonctionne. Est-ce qu'il y avait d'autres stratégies que celle-là ? Parmi ceux qui ont pu arriver à une expression... De toute façon, vous avez dû arriver... Enfin non, vous n'avez peut-être pas simplifié. Peut-être que certains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas pensé à cette factorisation. Ils ont peut-être directement multiplié par le binôme conjugué. Donc, ils ont juste fait cette étape-là. Et s'ils ont fait juste cette étape-là, ils ont en dessous 9x moins 4y, et puis ils ont une expression au-dessus, qui est peut-être sous forme distribuée, ce qui fait qu'on ne voit pas la simplification. Est-ce qu'il y en a qui ont été dans cette direction-là ? Donc, ici, le premier objectif qui était d'enlever les racines carrées peut être atteint simplement en multipliant. Ce qui a été fait en plus ici, c'est d'observer une simplification à partir du fait qu'il y a une factorisation qui a été faite au-dessus. Donc toujours penser à factoriser au-dessus en dessous pour voir s'il y a des facteurs communs. Et donc à ce moment-là, on simplifie. Alors évidemment, si on fait ça, on change forcément les conditions d'existence pour la bonne et simple raison que quand on regarde ici, on divise déjà plus. Donc il y a de fortes chances qu'il n'y a plus ce problème de diviser par zéro. Ici, il y avait encore le risque de diviser par zéro. Ben là, la condition n'est pas simple à écrire. Enfin, les conditions. Si je regarde ici les conditions d'existence, il faut forcément avoir que x et que y soient des nombres plus grands ou égaux à 0, puisqu'on prend leur racine. Et il y a aussi une autre condition. Il faut que 3 fois racine de x ne soit surtout pas égal à 2 fois racine de y. Forcément. Il ne faut pas avoir, à ce niveau-là, l'égalité, sinon on diviserait par zéro. Alors si on regarde maintenant ici, ben, les conditions d'existence ont changé, puisque vous n'avez plus qu'une seule condition, d'ailleurs pas besoin d'accolade, c'est x et y qui doivent être positifs, mais c'est tout. Donc attention
pour avoir équivalence des expressions, on pourrait dire simplement égalité, ceci est toujours égal à ça, il faut considérer trois fois racine de x doit être différent de 2 fois racine de y. Sinon, vous pourriez avoir le cas où une expression existe et donne une valeur et l'autre expression n'existe pas. Donc, ça c'est pour regarder dans le détail et ne pas avoir de soucis. Est-ce qu'il y a des questions sur ces trois-là, sur le A, le B, le C qu'on vient de faire ? Donc, on est avec des produits remarquables, hein, le binôme conjugué qui permet d'enlever les racines carrées, hein, racine de x plus racine de y, le tout fois racine de x moins racine de y, on tombe sur x moins y, les racines carrées se retirent. Et ici, dans le dernier exemple, c'est plutôt l'inverse, on a la différence de 2 carrés, donc on peut les factoriser, et en factorisant, on a pu simplifier. C'est assez redondant, hein, à chaque fois, c'est toujours un peu la même musique, mais... Le compliqué, c'est finalement d'avoir des réflexes en disant « Ah oui, là, je vois directement, c'est une différence de 2 carrés. En dessous, on peut y arriver avec un binôme conjugué. Et ça se rejoint et on simplifie. » C'est vraiment une habitude. Et je pense que cette habitude, on l'a en faisant des exercices et encore des exercices. Dans la joie et la bonne humeur. Alors, petite révision ici sur les puissances. Notation scientifique aussi. Alors, l'idée est la suivante. Vous avez des fractions. Alors, il y a un petit peu deux types d'exercices ici. Hein. Vous voyez, le A et le B sont des valeurs numériques. Et après, c'est des valeurs symboliques. Donc, on vous demande de traiter plutôt des valeurs symboliques. Donc, dans les deux premiers exercices, l'objectif pour ne pas se tromper... est de passer plutôt en notation scientifique. Donc, par exemple, 0,02, comment on peut l'écrire en scientifique? Donc, je répète la réponse. Donc, 2 fois 10 exposant moins 2. Alors, 2 fois 10 exposant moins 2, quand on le met à une certaine puissance, soyons plus général, puissance n, si j'ai 2 fois 10 moins 2 et que je fais puissance n, qu'est-ce qui va se passer? Alors, est-ce qu'on multiplie? Ah. Alors, vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'on multiplie? Est-ce qu'on additionne? Je vais l'écrire, ça va peut-être aider. Donc, 0,02, c'est 2 fois 10 moins 2. C'est 2 centièmes, hein, on peut le dire aussi 2 centièmes. Ce qui se passe, c'est que si tout ceci... est mis à la puissance nème, comme ceci, comment le n, quelque part, va se distribuer? Alors, qu'est-ce que j'écris pour le 2? 2 exposant n. OK. En fait, pour suivre la logique, comme ça, on le fait en deux étapes. Je peux le distribuer comme ceci. C'est-à-dire que la puissance d'un produit est le produit des puissances. Ça, ça va. Hein, j'ai un produit, je m'intéresse à la puissance. Donc la puissance d'un produit est le produit des puissances. Donc on peut finalement distribuer cette puissance sur chacun des facteurs. Mais là, le 10 exposant moins 2 encore exposant n, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On multiplie les exposants. Okay, donc quand vous avez la puissance d'une puissance, en fait, ces puissances se multiplient. Ce qui veut dire que ici vous allez avoir 2 exposants n fois 10 moins 2 fois n. Je vais faire une autre question de ce type-là, puis je vous laisse attaquer ce qu'il y a... Et en tout, peut-être, voilà, peut-être trois questions d'ailleurs. Une autre question, ce serait ceci.
1 sur 0,003. Et on va mettre tout ça à la puissance, puissance 4. Je vous écoute. Le 4 peut être distribué, mais peut-être avant de le distribuer, on va faire les mêmes étapes qu'on a fait précédemment. Alors 3 fois 10 moins 3, c'est 3 millièmes. Très bien. 3 fois 10 moins 3. Et ici, j'ai le 4. Ensuite, Lucas, tant que tu as... Oui. 1 exposant 4, je vais quand même le noter. Sur 3 exposant 4. Exactement, mais donc je vais quand même faire le 3 fois 4. Et donc là, on y est. Okay. Donc le 4 se met en puissance, il se met aussi en puissance pour 10 moins 3, mais 10 moins 3 puissance 4, c'est 10 moins 3 fois 4. Et donc, au final, vous avez 1 sur 3 exposant 4, qu'on va laisser comme ça, et 10 exposant moins 12. Bon. Si maintenant, je veux avoir, pas le 10 moins 12 au dénominateur, mais au numérateur. Je rappelle qu'une notation scientifique, c'est quelque chose fois 10 exposant quelque chose. Et ici, en plus, ce quelque chose, on ne veut pas l'écrire comme on veut. On se ramène, en général, à un nombre entier ici, puis virgule, et puis d'autres nombres. Donc, il peut avoir ici qu'un seul chiffre avant la virgule. Comment transformer maintenant? On va peut-être pas y arriver tout de suite, mais en tout cas, quand on a du 1 divisé par 10 moins 12, est-ce que quelqu'un sait ce que ça devient? Du 1 sur du 10 moins 12. 10 exposant 12. Okay. En fait, du 1 sur 10 moins 12, c'est comme si c'était 10 moins 12 exposant moins 1. Hein, quand on fait exposant moins 1, on prend l'inverse. Donc, moins 1 fois moins 12, ça fait 12. C'est une autre manière d'y arriver. Donc, vous allez avoir du 10 exposant 12. Et ici, vous allez avoir donc du 1 sur 3 fois 3 fois 3 fois 3, donc 9 fois 9, donc 81. 81. Voilà. Il faudrait terminer à la calculatrice, mais ça, je ne sais pas si vous en avez une à proximité. 1 sur 81... Ça vous fait 0,0123 et des poussières, je suppose. Ça va, on va mettre des poussières. Et pour terminer en notation scientifique, il faut avoir le 1 ici. Donc, qu'est-ce que... Pardon, oui? Alors, donc on me propose 10 exposant 14. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, j'ai un nombre qui est 1 centième fois 10 exposant 12. Ce que j'ai fait ici, c'est que finalement, j'ai multiplié le nombre qu'il y a devant l'ordre de grandeur, on va l'appeler comme ça, l'ordre de grandeur, 10 exposant 12. J'ai multiplié ceci par 100. Du coup, pour équilibrer, je dois diviser par 100. 10 exposant 12, vous enlevez 2 zéros. Ça fait 10 exposant 10. Exact. Ok, on y est. Voilà, ben le troisième exemple, finalement, il est inclus dans ce que je voulais montrer ici. Alors, je n'ai pas envie de faire une longue théorie, parce que j'ai mis des éléments clés ici. Je vous propose d'aller sur le A et sur le B maintenant, et on va voir s'il y a des éléments qui sont plus compliqués pour vous. Donc un petit peu de temps pour le A et le B.
J'écris déjà au tableau avec une première étape pour ceux qui seraient coincés. Donc de nouveau, pour ceux qui auraient terminé, n'hésitez pas à avancer sur le C, le D, le E, le F.
Il y a encore une petite minute avant de corriger, de voir ensemble. Il y en a qui ont terminé, juste pour voir. Oui, ok. Peut-être pour ceux qui se relisent, qui ont terminé, parfois il y a des voies plus rapides aussi. Donc regardez si vous les voyez ou peut-être que vous l'avez appliqué. Mais parfois on peut simplifier assez rapidement. Ok, je propose qu'on regarde ensemble alors ces deux-là. Première étape, est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai écrit au tableau déjà? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent ou bien c'est bon pour tout le monde? Donc j'ai tout mis déjà, chacun des facteurs est mis, enfin quasiment mis sous forme scientifique. Enfin, il y a à chaque fois la puissance encore qu'on va appliquer. Donc soit on y va étape systématique par étape systématique, soit on voit déjà des raccourcis. Bon, ici, en gros, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du 10 moins 2 fois 3, donc on va avoir du 10 moins 6. On va avoir du 10 exposant 6, j'ai entendu Lucas qui le dit. Ici, on va avoir du 10 moins 6 et du 10 moins 4. Alors, si on voit ça, on peut déjà se dire que le 10 moins 6 qui est ici, il y en a aussi là, du 10 moins 6. Donc en fait, le 10 moins 2 avec le 10 moins 3 ici, si on le retire, on ne change rien, puisque ceci va devenir un 10 moins 6 et celui-là aussi. On peut le faire. C'est un des raccourcis qu'on pourrait faire. Ça va? Je ne vais pas le faire ici parce que je vais plutôt prendre la démarche systématique, mais je relève juste ce point-là et on verra si c'est vrai dans l'autre. Si on travaille lentement, on a du 2 exposant 3, ça fait, enfin lentement, de manière systématique, donc on a du 8... du 10 moins 6, du 2 exposant moins 2, donc quand on fait exposant moins 2, c'est 1 sur 2 au carré. D'accord ? Mais je vais quand même l'écrire, comme ça on est sûr de ne pas se tromper, voilà. Autre simplification d'ailleurs qu'on peut faire, c'est 10 moins 6 avec 10 exposant 6, on va y revenir. 3 exposant 2, donc 9, je vais tout de suite l'écrire, fois 10 exposant moins 6. Et enfin, vous avez du 2 exposant moins 2 fois 10 exposant moins 4. Alors, il y a plusieurs simplifications possibles. Soit vous simplifiez le 10 moins 6 avec le 10 moins 6 du bas. Forcément, ça donne 1. Soit vous simplifiez le 10 moins 6 avec le 10 exposant 6. Parce que quand on multiplie avec la même base, on peut additionner les puissances. On va peut-être faire celle-là parce qu'on n'a pas encore fait. Donc 10 moins 6 fois 10 exposant 6. Ça, ça vaut 10 exposant moins 6 plus 6. Ça vaut donc 10 exposant 0. Ça vaut donc 1. Donc quand on multiplie, il faut que la base soit pareille. Mais donc quand on a A puissance P fois A puissance Q, ça devient A puissance P plus Q. C'est ça la règle qu'il y a derrière. Donc ici la petite règle, c'est que A puissance P fois A puissance Q, c'est A puissance P plus Q. Si c'est 1, si c'est fois 1, ben, le fois 1 on peut l'oublier dans l'écriture. Ensuite, ben, vous avez clairement du 2 exposant moins 2 qui simplifie avec du 2 exposant moins 2. Mais juste, Arnaud. Oui, j'allais y venir, tout à fait. Donc le 2 exposant moins 2, pour information, quand on a un moins, en fait, c'est comme si tu regardais l'inverse avec la puissance opposée. Donc le moins 2, tu peux écrire 2. Alors le moins sert à inverser, en fait, le nombre qui est considéré. Donc ça fait un quart ici. Ça va? Ensuite, on peut terminer là-dessus. Vous allez avoir, donc qu'est-ce qui reste? Il reste du 8 neuvième. Et en dessous, si on additionne les puissances, moins 6, moins 4,
Ça fait 10 exposant moins 6 exposant moins 4. Ce qui donne, donc 8 neuvième, c'est 0,888, et on peut continuer longtemps comme ça, et puis vous allez avoir 1 sur 10 exposant moins 10. Alors, 1 sur 10 exposant moins 10, si on veut l'avoir dans le bon sens, ben en fait, je vais l'écrire de nouveau avec une étape intermédiaire pour que vous compreniez bien le principe. Ça, c'est la même chose que 10 exposant moins 10 exposant moins 1, parce que quand on fait exposant moins 1, on considère l'inverse. Du coup, moins 10 fois moins 1, ça fait bien 10. Fois 10 exposant 10. Mais comme dans la convention que je me suis donnée, je veux avoir ici un chiffre non nul avant la virgule. Qu'est-ce que je mets ici? 9. Puisque j'ai fait fois 10 ici, donc je dois diviser par 10 pour équilibrer, et on est avec des milliards. 10 exposant 9, ce sont des milliards. Remarquez que quand on fait une erreur dans ce type d'exercice, on se trompe d'ordre de grandeur. Hein. On ne parle plus de milliards, mais on parle de dizaines de milliards ou de millions. Donc on fait un calcul, un bilan énergétique, et que ce n'est pas des kilowatts, mais des mégawatts ou des gigawatts. Ben, évidemment, c'est des erreurs qui sont assez importantes. Donc il faut être vigilant. D'autant plus vigilant. Ceci, ça va? C'est du rappel, mais évidemment... Alors, aussi une petite remarque. Quand on fait quelque chose au tableau, en général, c'est « Ah oui, ok, je gère, je vois bien par où il faut aller. » C'est souvent quand on fait soi-même un nouvel exercice qu'on se rend compte vraiment de ses capacités. Donc le risque toujours, et c'est général quand on prépare une évaluation, c'est qu'on lit des choses qu'on comprend, mais c'est vraiment une autre étape de le faire par soi-même. Donc soyez vigilants par rapport à ça, et essayez de faire des exercices aussi par vous-même. Alors celui-là, on va travailler un peu plus rapidement parce que c'est le même principe. Vous avez du 10 moins 6 ici et également ici. Donc, simplification directe. Pas besoin d'aller dans le détail, si vous avez vu ça, ben, on simplifie. Vous avez ici du 10 moins 12 et là, vous allez avoir du 10 exposant 8. Donc, on va avoir ici du 10 moins 12, et en dessous, 10 exposant 8. Vous voyez, je me concentre uniquement sur les puissances de 10. Évidemment, il ne faut pas oublier de traiter le reste. Mais qu'est-ce qu'on a, en fait? Sinon, ici, il n'y avait pas de... Enfin, il y avait un numérateur qui vaut 1, si on veut. Et en dessous, il y a du 2 fois exposant moins 2 qu'on a déjà rencontré. Donc, ceci... Du 1 sur 2 exposant moins 2, ce n'est rien d'autre que du 2 exposant 2, hein, parce que c'est l'inverse, j'enlève le moins et j'inverse un demi, ça devient 2. Et ici, ce n'est rien d'autre que du 10 exposant moins 12. Ah oui, alors attention, c'est plus 8 si c'était fois 10 exposant 8, mais comme c'est divisé, ce sera moins 8. Quand on divise avec la même base, la base c'est 10, c'est 10. Vous avez P et ici Q, c'est P moins Q. En fait, la règle qui est associée à ça, qui est évidemment le pendant de ceci, mais pour une division, quand vous avez A exposant P divisé par A exposant Q, c'est A exposant P moins Q. C'est logique parce que quand on divise par A puissance Q, c'est comme si on multipliait par A puissance moins Q. Ça va? Ceci, je peux l'écrire à gauche, c'est la même chose que A exposant P fois A exposant moins Q. Petite règle donc, de gestion ici des exposants qui permet de simplifier. Alors, si on termine ici, vous allez avoir 4 fois 10 exposant moins 20. Voilà pour ces deux-là.
Je vous propose de faire le C et le D, on le laisse comme devoir. Et puis de faire le E et le F, on le laisse comme devoir. C'est toujours plus ou moins les mêmes principes. Oubliez la notation scientifique pour ce qui suit, c'était surtout pour le A et le B, la notation scientifique. Ça n'a pas tellement de sens pour le C que je vous demande et le E qui suit. Donc C et E, et D et F, ce sera pour chez vous, pour vous entraîner. Des questions là-dessus? Ça va? Alors, je vous propose de faire une petite pause maintenant pour ceux qui veulent. Il est 26, donc une toute petite pause pour ceux qui en ont besoin. Évidemment, il n'y a pas d'obligation de faire la pause. Voilà, il est 26, donc à 30 en tout cas ici. Donc 4 minutes maximum pour ceux qui désirent prendre un peu l'air, faire quelques pas. Vous pouvez le faire maintenant. Les toilettes, c'est bon encore ? Les toilettes, tu sors ici, tu vas sur la gauche, puis c'est sur ta droite. Donc on me pose une question pour le E, est-ce qu'il faut tout distribuer? Pour le E, en fait, il faut factoriser en nombre premier. Par exemple, le 27, c'est 3 fois 3 fois 3. Le 81, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et donc, avec ça, tu as des facteurs communs.
On va peut-être laisser encore un petit peu de temps, vu qu'il y a eu la pause pour le C et le E. Dans une petite minute, on va reprendre. Christo, il faudrait que tu coupes le son sur Teams. Parce qu'on t'entend écrire avant de te voir. Pourtant, le son est coupé. C'est quelqu'un d'autre qui a laissé son micro allumé. Ok, regardons ensemble, en espérant qu'il n'y ait plus de problème de son que Anne-Marie a mentionné. Alors pour le C, je ne sais pas comment. Est-ce que quelqu'un a envie de donner sa technique? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, Lucas. D'accord, une distribution des. Les exposants, donc quand tu dis ça, quand tu parles de distribution, je veux te dire que tu as multiplié tous les facteurs qui ont la même base et tu as pu additionner les exposants. Tu as, alors quand tu as distribué, tu veux dire le moins 2 ici. Ah ok, ça va. Donc il y a deux choses à faire, c'est ce que tu as dit. Donc je voulais juste être sûr qu'on parlait de la même chose. Donc tu as distribué les exposants qui se situent ici, donc le moins 2 sur les deux facteurs de base différentes et le 2 de deux facteurs de base différentes. Et puis après, il faut rassembler les produits qui ont la même base pour pouvoir additionner les exposants. Ça va, juste ça. Alors, je dis ça à chaque fois pour que vous ayez le vocabulaire. C'est important de pouvoir dire ce qu'on fait, sinon on a des difficultés à partager précisément ce qu'on doit faire. Donc si je regarde ce qu'on a en commun, on va commencer par le A au-dessus, ben, le A il est tout seul, donc je le recopie. Le B en revanche, il apparaît avec un exposant moins 3 et puis avec un exposant moins 2, donc moins 3 plus moins 2. Le C, il apparaît tout seul
Et enfin, il y a un facteur 2 ici de, que je vais placer devant. Numérateur. Il y a juste le B finalement où on va pouvoir un peu condenser l'écriture. Et ensuite, le moins 2, comme disait Lucas, qu'on va distribuer. Donc A moins 1 fois moins 2. Je vais l'écrire tout d'abord pour que ce soit bien compris. B exposant moins 2. Ensuite, A, de nouveau lui, exposant moins 2 fois 2. B exposant moins 1 fois 2. Alors, il y a un facteur 2 que je mets ici devant et il y a du C carré. Ça va pour ça, le 2 peut simplifier. Ok, alors ce qu'on peut déjà simplifier finalement, c'est on a du A moins 2 au-dessus, on a du A moins 1 moins 2. Alors bien sûr, vous pouvez faire A moins 1 moins 2, c'est A moins 3, et puis A moins 2 sur A moins 3, c'est A moins 2 plus 3. Peut-être un petit peu perdu en parlant trop comme ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est simplement simplifier ici le A moins 2 avec le moins 2 qui se situe ici. Tout comme le B moins 2 qui est ici, je peux retirer la partie moins 2 qui est là. Alors le C carré, bien sûr, se simplifie au-dessus et en dessous. Et ce qui concerne le B moins 3, on y est presque, mais ça je vais l'écrire d'une autre manière. Donc ici on a du B moins 3 au-dessus. En dessous, si on rassemble, on a du A moins 1 moins 4. Hein, moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Vous allez avoir du B moins 1 fois 2, donc B moins 2. Ce qui veut dire qu'au-dessus, vous avez du B moins 3 moins moins 2. Donc moins, parce que le B moins 2 que je veux rassembler avec le B moins 3 se trouve en dessous. Donc moins moins 2. Et en dessous, vous avez du A moins 5. Ce qui va donner finalement du B moins 1 fois du A exposant 5. Si je n'ai pas fait d'erreur, est-ce que d'autres ont ça? Ok, Noémie me dit que oui, les autres je ne sais pas. Il y en a d'autres qui ont ça? C'est pour me rassurer aussi, hein. Ce n'est pas toujours infaillible, mais... Qu'est-ce que vous avez d'autre comme réponse? Ceux qui ont... Oui. C'est Florian, je suis plus sûr. Oui, mais ton prénom? Oui, c'est ça. Ah, tu as 1 sur B. Qui d'autre a ça? Ah, mais vous êtes plus que moi. Je vais me relire, hein. On va voir si je n'ai pas fait une erreur. J'ai peut-être loupé quelque chose. Si vous voyez mon erreur, c'est encore mieux. Je regarde juste si j'ai bien recopié l'énoncé. Donc, moins 2, moins 3, 2, moins 2. Oui. Moins 1, moins 2, moins 2, B, moins 1. Ok, regardons ensemble s'il n'y a pas d'erreur. Donc, ici, il y a le 2. Le A moins 2 que j'ai repris, le B moins 3 moins 2, et le C carré. Jusque-là, tout est bon. Le 2, ici, on va avoir A moins 1 fois moins 2. Okay. Ah, mais oui, je vois mon erreur. Okay. On multiplie, voilà, Lucas, tout à fait. Ici, c'est comme si j'avais écrit moins 1 moins 2, or c'est le produit. Donc, elle est là, mon erreur, tout simplement. Donc, bien vu. Donc, ici, en fait, on a du A plus 2. Donc, on ne peut pas simplifier comme ça. Donc, ici, on avait du A moins 2. Ici, en fait, on a du A plus 2. A moins 1 fois moins 2. Et j'ai simplifié ça. Donc, ça n'allait pas. Donc, on va reprendre à partir de là.
Par contre, ici, c'est bon, parce que c'était moins 3, moins 2. Ce n'était pas un produit, donc ça, je pouvais faire. Et la suite, c'est bon aussi. Donc, au final, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir du A plus 2. Donc ici, on va avoir du A moins 4, si je le mets ici, fois A... du A4, pardon, fois du A moins 4. Et donc, A4 fois A moins 4, tout ça va disparaître, parce que ça va être du A moins 4 plus 4. Donc, en réalité, ici, on n'a plus de A, et j'ai 1 sur B comme vous. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc, la leçon de ça, d'abord, c'est 1, vérifiez toujours ce que j'écris. Si vous avez raison et que moi j'ai pas la même chose que vous, enfin si vous n'avez pas la même chose que moi, ben, ça vaut la peine de le signaler. Et alors aussi c'est parce que j'ai pas écrit les choses assez proprement. Vous voyez, quand j'avais écrit moins 1 fois moins 2, mon fois je l'ai oublié, j'ai lu ça comme moins 1 moins 2. Alors pour le C, avant de passer au E, est-ce qu'il y a encore une remarque, une question? Ça va? Pour le E, donc le tout, c'est en fait de revenir au nombre premier, hein, factorisé. Donc le 27, ce n'est rien d'autre que 3 fois 3 fois 3. Alors, on n'est pas toujours obligé d'aller aussi loin dans le découpage. C'est-à-dire que 27, c'est 3 fois 9 aussi. Peut-être que s'il y a un 9 en dessous, c'est suffisant. Bon, ici, je vais aller prendre vraiment le découpage maximal. 2 fois 3 exposant 3. 3 fois 5 exposant 6. Ici, vous allez avoir du 3 fois 3 fois 3 fois 3 exposant 3. Alors, 90, peut-être je vous écoute pour le 90, qu'est-ce que vous avez comme décomposition? 3 fois 10, 3 fois 3 alors, fois 10. Et le 10 lui-même, c'est 2 fois 5. Si on veut découper jusqu'au bout, hein, c'est quoi ça? C'est un 4. Ok, alors... Finalement, qu'est-ce qu'on a ici en tout, puisqu'on a 3 fois 3 fois 3 exposant 4, eh bien, vous allez avoir 3 au cube exposant 4, ça fait 3 exposant 12. Évidemment, j'aurais pu mettre 3 au cube ici. Hein, donc dans l'écriture, j'ai rallongé un petit peu pour qu'on comprenne bien le principe. 3 exposant 12, fois 2 exposant 3, fois 3 exposant 3, même règle que précédemment. Hein. Fois 5 exposant 6, le tout sur 3 exposant 12 de nouveau, parce que c'est 3 exposant 4 exposant 3, fois ici 3 au carré exposant 4, donc 3 exposant 8, hein, 3 au carré et encore exposant 4, fois 2 exposant 4, fois 5 exposant 4. Alors c'est là qu'on va pouvoir simplifier, bien sûr le 3 exposant 12 avec le 3 exposant 12, le 2 exposant 3, si je divise ceci par 2 exposant 3, il disparaît. Et 2 exposant 4 divisé par 2 exposant 3, ça devient 2. Ça va? Oui. Le 3 exposant 8, on peut supprimer aussi, c'est 3 exposant 1. Oui, alors le 3 exposant 8, c'est 3 exposant 6 fois 3 exposant 2. Donc il restera 3 ici au-dessus. Je compte les 3 au-dessus et en dessous. Au-dessus, on avait 3 exposant 9. En dessous, on a 3 exposant 8. Donc au-dessus, il y a un facteur 3 supplémentaire. Donc il reste juste ce facteur supplémentaire. Et correct, Lucas, ici, le 6 devient 2. 5 exposant 6 moins 4, parce que c'est divisé par 5 exposant 4. On y arrive. Et donc au final, après toutes ces simplifications, vous avez 3 fois 25 divisé par 2. Autrement dit, 75 demi. Ça va, 37 et demi. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Ah, le 3 exposant 12, il vient d'ici, en fait. Donc, quand tu as 3 fois 3 fois 3, tu as 3 au cube. Et quand tu as ceci, tu as 3 qui est répété 4 fois dans le produit, donc 3 puissance 4. Et puis, la puissance encore au-dessus. Merci pour la question. Donc la question, c'était d'où venait le 3 exposant 12? Oui? Arnaud 1, ça va?
Je n'ai pas encore fait le tour de tous les prénoms, mais je ferai ça à la fin du cours. Ok. Bon, on va avancer. L'idée est de terminer par de la factorisation. Il y en a 10 ici. Alors, j'ai pour habitude pour cette partie-ci, en fait, de donner un temps. Et je donne en général 7 minutes. 7 minutes, c'est le temps que ça devrait prendre pour quelqu'un qui est bien entraîné. Alors, en général, peut-être pour vous rassurer, quelque part, c'est rare que quelqu'un y arrive parce que, ouais, il faut de l'entraînement et là, on se réchauffe avec ces exercices, mais on va quand même le faire. Donc, je vous laisse 7 minutes pour faire les 4 A jusqu'à J et puis on les corrige ensemble. Voilà, pendant ces phases d'exercice, si certains sont plus intéressés par une question sur ce qui précède, qu'ils n'hésitent pas. Je peux aussi venir près de vous, hein, je mets mon masque et... Ok, j'ai de nouveau accès à la conversation team, donc ça c'est une bonne chose. Je vois qu'il y a eu des remarques. Merci Anne-Marie d'avoir intervenu pour les réponses. Mais je vois qu'il y a une question nouvelle ici d'Alexandre. Le 2 exposant en moins 3, on le supprime à cause de quoi? Mais je ne vois pas à quoi s'applique la question ici. Le 2 exposant 3 là. Ah, ici? C'est ça? Parce que ici, il parle de 2 exposant moins 3. Ah oui, en 3, c'est une crasse sur mon écran. Il est temps que je nettoie ça. Ok, donc Alexandre, le 2 exposant 3 ici qu'on a supprimé. En fait, on le supprime avec... Ceci, c'est la même chose que 2 exposant 3 fois 2. 2 exposant 4, c'est 2 exposant 3 fois 2. Et donc, ce que j'ai fait, c'est 2 exposant 3 divisé par 2 exposant 3 fois 2. Donc, en fait, j'ai supprimé ces deux facteurs-là, il reste 2. Donc, le 2 est ici. Et donc, je me suis contenté de barrer le 4. Donc, en barrant le 4, je laisse, c'est comme si je laissais un 1. Et comme ça, j'ai la simplification. Est-ce que ça répond à ta question, Alexandre ? Le mettre sur la conversation si jamais c'est bon pour toi ou si c'est pas encore clair. Alors j'avais dit 7 minutes, encore 3 minutes.
On a légèrement dépassé la moitié. Factoriser si possible. Je ne sais pas s'ils sont tous possibles, on verra après. Encore une minute. On y est. Donc, je vous propose, vu qu'on arrive à la fin, de vous mettre les réponses au tableau et vous réagissez si jamais vous n'êtes pas d'accord, gentiment. Vous me dites pourquoi. Ça va? Alors, pour le premier, donc 2x plus 8x fois z carré, bon, une mise en évidence de x, éventuellement du facteur 2 aussi. Donc, pour le premier, le petit a. Ici, si vous mettez 2x en évidence, il vous reste 1 ici et 4z carré. Maintenant, 1 plus 4z carré, c'est la somme de 2 carrés. Si c'était la différence de 2 carrés, peut-être, mais ici, c'est la somme, donc on ne sait pas factoriser plus. Le petit b, c'est le même principe, une mise en évidence. Mise en évidence de x cube. Reste x carré moins 1. Et là, il ne faut pas oublier que x carré moins 1, on peut encore factoriser. Donc, on est à la moitié du chemin. Différence de 2 carrés, x au carré moins 1 au carré, quelque part. Donc, si on continue, ceci, c'est encore la même chose que x moins 1 fois x plus 1. Alors, le C devient un peu plus subtil. Je l'ai fait tous et puis je regarde les questions. Il faut voir que c'est la différence de 2 carrés, sauf que chacun des éléments de la différence, c'est 4x plus 1 d'une part et 2x plus 5 de l'autre. Donc, si on a observé ça, c'est relativement rapide, puisque vous allez avoir 4x plus 1. Donc, c'est a carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Donc A moins B, ça correspond ici à ceci, okay. Fois A plus B. Okay. Donc on a A carré moins B carré. A n'est rien d'autre que 4x plus 1, et B n'est rien d'autre que 2x plus 5. Donc A moins B, alors après il faut évidemment simplifier. Donc 4x moins 2x, ça vous fait 2x, plus 1 moins 5, ça fait moins 4, et ici vous avez 6x, et plus 6. Alors éventuellement,
pouvez mettre le 6 et le 2 en évidence. Donc ça va donner un 12 en évidence. X moins 2, X plus 1. Certains vont me dire, oui, mais moi, j'y suis arrivé aussi. J'ai tout distribué. Ah, donc 4x plus 1 au carré, j'ai 16x carré plus 8x plus 1, même chose pour l'autre. J'ai un polynôme de second degré. J'ai trouvé les deux racines qui sont 2 et moins 1. On les observe ici, hein. 2 et moins 1 sont les racines. Et donc, j'ai finalement factorisé autour de 2 et moins 1. Ça fonctionne aussi. C'est plus long. Je pense que c'est plus long. Mais voilà. Le 12, c'est parce que ici, j'ai fait sortir un 2. Donc, mise en évidence. Et ici, j'ai fait sortir un 6. Mise en évidence. Donc, 2 fois 6, j'ai obtenu le 12. Ça va ? Le D, on a de nouveau la différence de 2 carrés. C'est un peu plus caché, mais c'est du x cube au carré moins y cube au carré. Associé à la différence de 2 cubes. Parce que j'aurais pu dire que c'est x au carré le tout au cube, moins y au carré le tout au cube. Et pour la différence de 2 cubes, c'est aussi dans les produits remarquables. Il y avait deux listes. La première liste était vous devez connaître immédiatement, et l'autre liste, il faut savoir que ça existe. Bon, il faut voir s'il y en a un qui est plus intéressant que l'autre. En tout cas, ici, vous savez qu'on va obtenir, donc c'est comme si c'était a carré moins b carré. Donc, a moins b fois a plus b. On a la différence de 2 cubes, on a la somme de 2 cubes. Donc ceci, il faut se souvenir que ça existe. Alors quand je vous dis que il faut pouvoir s'en rappeler, moi et M. Coulot aussi, c'est la même chose. On ne les connaît pas forcément par cœur. On va commencer par le plus, la somme de 2 cubes. On sait qu'il y a du A, du B, qu'il y a du arc A carré, AB, B carré, mais on n'est plus tout à fait sûr des signes. Alors, A fois A carré, ça fait A cube. Et ici, B fois B carré, ça fait B cube s'il y a le même signe. Okay. Donc si vous mettez un plus ici, il faut en tout cas mettre un plus ici. Maintenant, l'ennui, c'est qu'il y a des produits croisés. Donc A fois AB, ça fait A carré B. Il faut donc que ceci simplifie. Avec un moins, ça va fonctionner. Et dans l'autre sens, vous allez avoir du A fois B carré, ça fait A plus B carré. Mais avec celui-là, ça va simplifier. Okay. Donc voilà pour le premier appel. Ici, on regarde la différence de 2 cubes. En fait, ça va être le même genre de questionnement. Comme ceci. Comme on doit avoir un moins b cube, un des deux, ça doit être un moins. Et alors, si je ne me trompe pas, je pense que si donc, je mets le moins ici et le plus ici, là, on a bien du a cube moins b cube pour les doubles produits, enfin les produits avec les mêmes choses. Mais si on regarde les produits croisés, donc du a avec du ab, donc si je mets ici a plus, vous allez avoir du a carré b moins a carré b, donc ça, ça fonctionne. Et ici, vous allez avoir du ab carré moins ab carré, donc ça fonctionne. Ok, je les ai retrouvés. Il faut pouvoir les retrouver. Il n'y a plus qu'à appliquer, donc c'est un peu plus long. Donc du x cube moins y cube, c'est le deuxième, c'est donc de x moins y. Et puis après, vous allez avoir la somme de tout le reste. Et on continue, fois. Et pour le deuxième, eh bien, vous allez avoir du x plus y. Et ici, vous allez avoir du x carré moins xy plus y carré. Et là, on est au bout de la course, on est arrivé au bout de la factorisation. Voilà, 2D clairement d'un calibre différent par rapport à ce qui précède. Peut-être m'arrêter une seconde ici, est-ce qu'il y a une question sur les quatre premiers ?
Alors, je continue. A carré moins 6a plus 9. Donc là, il faudrait trouver les zéros de cette expression. Pour, est-ce qu'il y a une valeur simple qu'on voit tout de suite qui annule? Alors, b carré moins 4ac, ça c'est le discriminant qui va nous aider. Si je garde le discriminant, le delta, vous allez avoir du 36 moins 36. Ça donne 0, tiens. Donc il y a une racine double. Donc en fait, le E, c'est quelque chose de type A moins un entier ou un réel, le tout au carré. En fait, c'est un produit remarquable. Effectivement, ici, c'est A moins 3 au carré. Si vous ne le remarquez pas tout de suite, le discriminant qui vaut 0 devrait vous rappeler que c'est un produit remarquable. Donc c'est A moins 3 au carré. Le F. Alors, pour le F, on a de nouveau un delta qui est égal à 0. On a 36 moins 4 fois 9. Donc on a de nouveau delta égale 0. Et donc ici, c'est clairement 3k plus 1 au carré. Le G. Le G, le delta, ce sera 9 moins 16. Il est donc strictement négatif, donc ça veut dire qu'il n'est pas factorisable. En tout cas, dans les réels, dans les nombres complexes, de nouveau, vous verrez plus tard qu'on peut faire quelque chose, mais le G, on ne sait pas le factoriser. Donc il n'y a rien à faire. Le H. B carré, donc c'est 4. 4 moins, ça va devenir plus parce qu'il y a moins 2, donc 4 fois 12, donc 48, plus 48, si je ne me suis pas trompé, mais je me relis parce que ça m'étonne. Donc B carré 4, moins 4 fois 12, non c'est 48, c'est plus que ça. C'est 24 fois 4. Ouais. Donc B carré 4, j'ai 96, oui, et ça tombe juste du coup. Ça fait 100. Donc, quelles sont les racines? Mais là, on va utiliser la formule pour les trouver. Sauf si vous les avez vues par chance tout de suite. Mais donc, ici, on va les calculer. Donc, au niveau des racines, vous avez que A, 1 et 2, c'est moins B, donc moins 2, plus ou moins 10, le tout sur 24. Ouais. Ce qui vous donne deux racines. Alors, oui. Donc, 1 tiers, ça c'est pour le plus, et moins 12 sur 24, moins 1 demi. Ce qui permet d'écrire que votre expression, ce n'est rien d'autre que A moins la première racine, fois A moins la deuxième. Donc, moins, moins 1 demi sera plus, mais pas oublier quelque chose, le 12, le coefficient qui est devant. Très bien. Donc pour factoriser une expression polynomiale de second degré, on trouve, s'il y a deux racines comme ici, donc vous avez deux racines autour desquelles vous allez factoriser, donc le 1 tiers et le moins 1 demi, et puis ne pas oublier le coefficient de tête. Donc ici, attention au coefficient de tête. Il en reste deux, mais le i, il n'y a pas tellement de surprise, c'est la différence de 2 carrés, donc on recommence avec 3x moins 4y fois 3x plus 4y. Et le j, alors là, il y a quelque chose qu'on peut mettre en évidence, mais pas grand-chose, c'est le a exposant 1 demi, il va rester ici, a exposant 3 demi moins 1 demi, ça fait a, B plus 5. Okay. Si je remultiplie celui-là avec celui-là, ça fait A exposant 1 demi fois A exposant 1. Ça fait donc A exposant 1 demi plus 1. C'est donc bien A exposant 3 demi. Voilà, je vais...
Je vais couper le micro ici et prendre le micro Teams pour ceux qui m'écoutent à distance. Comme ça, vous m'aurez en direct pour des questions. Je laisse l'image.